Pour mieux concrétiser et comprendre cette identité remarquable, on peut construire un carré de côtés qui mesure A plus B, où A et B sont deux nombres positifs. Ici, la longueur est A plus B, et ici de même, la longueur est A plus B. Donc, l'aire de ce carré de côtés qui mesure A plus B, c'est bien A plus B fois A plus B est égal donc A plus B le tout au carré. En fait, on peut découper ce carré en quatre parties. On considère par exemple ici la longueur A et cette longueur-là est B. Ensuite ici, une longueur A et cette partie qui reste, c'est la longueur B. Si on trace le carré du côté qui mesure A, on obtient le grand carré là et deux rectangles de longueur A et de largeur B. Et un petit douzième carré du côté de mesure B. Alors, ce carré du côté qui mesure A, son aire, vaut A fois A, c'est-à-dire A au carré. Ces deux parties en gauche sont les aires des deux rectangles de même surface car ils ont de longueur A et de largeur B. Donc cette aire vaut A fois B, de même cette aire ici vaut A fois B. Ce petit carré du côté qui mesure B, son aire est B fois B, c'est-à-dire B au carré. On a dit au départ que l'aire de ce carré est A plus B, le tout au carré. Alors, l'aire totale de ce carré est aussi la somme des aires de ces quatre parties. Cette partie-là, qui est A au carré, plus ces deux parties-là, qui ont de même aire, AB, donc plus AB, plus AB, et cette dernière partie qui a pour R B au carré. Donc, on a A plus B au carré est égal à A au carré plus 2AB plus B au carré. Cette égalité est une égalité remarquable que l'on appelle identité remarquable du second degré. Donc, identité remarquable du second degré, A plus B le tout au carré, est égal à A au carré plus 2AB plus B au carré. L'expression suivante, A au carré plus 2AB plus B au carré, est appelée somme remarquable. Donc, si on a une expression x au carré plus 2xy plus y au carré, on peut conclure que c'est une somme remarquable qui peut s'écrire directement sous la forme d'un carré x plus y, le tout au carré. Et vice-versa, si on a le carré d'une somme x plus y au carré, on peut l'écrire directement sous la forme de la somme remarquable x au carré plus 2xy plus y au carré. En fait, si on passe de cette somme remarquable au carré de la somme de A et de B, on dit qu'on a factorisé la somme. Et si on passe du carré de la somme de A et de B à la somme remarquable, on dit qu'on a développé le produit ou le carré. En fait, A plus B au carré, c'est bien le produit A plus B fois A plus B. Pour cela qu'on dit qu'on a développé le produit. Souvent, on tombe au piège en écrivant A plus B au carré est égal à A au carré plus B au carré, en confondant tout simplement avec AB, le tout au carré est égal à A au carré fois B au carré. Donc, A plus B, le tout au carré, est égal à A au carré plus B au carré. C'est évidemment totalement faux puisqu'il manque le 2AB.